Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode 2, La Grotte du Barbu. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de peindre le logo de Ghostbusters que j'ai imprimé sur ma Sigma R17. La première étape, bien sûr, c'est de mettre deux bonnes couches de primer et de passer à la couleur de base. Ici, la couleur de base, c'est du blanc et c'est du Montana 94 que j'utilise. En ce moment, il fait froid, il y a du vent, il pleut. C'est pas du tout le temps idéal pour faire de la peinture à la bombe, mais on essaye de se débrouiller avec. Maintenant que j'ai fini ma base de blanc, je vais utiliser ma première couleur, qui est le rouge, pour faire l'espèce de sens interdit du logo. Et là, rien de très compliqué, je badigeonne un peu partout où je veux que ce soit rouge, et pas trop là où je veux que ce soit blanc. Puisque on va passer à la deuxième étape, dès que c'est à moitié sec, et bien c'est le masquage. Le masquage, je vais masquer en fait toutes les zones rouges pour pouvoir repeindre en blanc. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça dans ce sens-là? C'est beaucoup plus simple de masquer cette partie-là du logo plutôt que l'autre. Donc, je masque avec mon blue tape, j'utilise mon scalpel pour découper et potentiellement mon poussoir pour aller mettre au bon endroit le blue tape. Le masquage, c'est chiant, mais c'est important. Plus vous allez passer de temps à faire un masquage propre, et plus votre résultat sera nickel. Pas grand chose à dire ici. C'est long, mais si vous vous appliquez, normalement votre résultat devrait être correct. Maintenant que mon masquage est fini, je vais pouvoir remettre une petite dose de blanc, toujours avec la même difficulté qui est que la peinture a tendance à refroidir et a tendance à se disperser un peu partout à cause du vent. Voilà, j'ai fini ma dose de blanc, maintenant je vais procéder au démasquage. Pour ça, je vais utiliser simplement mes doigts et une petite pince à épiler pour enlever tous les morceaux de blue tape que j'ai mis précédemment, et essayer de pas ruiner la jolie peinture qui est en dessous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas attendu complètement que la peinture sèche, parce que vu qu'il fait froid, au lieu de mettre un quart d'heure, la peinture met beaucoup plus de temps à sécher, et donc j'ai des petits morceaux de peinture qui sont barrés avec le blue tape. Donc je corrige à l'acrylique, et surtout je vais faire les yeux et la bouche avec du noir. Il me manquera après, bien sûr, juste un petit coup de vernis pour faire tenir tout ça. Et voilà. Mon chouette logo Ghostbusters imprimé en 3D a été peint. Il n'est pas top, top, top. Mais moi, ça me va. Merci à tous. Et que la barbitude soit avec vous.